comme chaque année depuis 1992, les plus grands spécialistes de l'enduro ont rendez-vous dans le Limousin, à Peyrat-le-Château, où bat le cœur de la Gilles Lallet classique. Pour la 8e fois, les pilotes engagés dans la course la plus dure du monde vont s'élancer de Limoges, avec pour seul objectif d'atteindre Peyrat et la fameuse côte du Corbeau Mort. Vainqueur de la dernière édition et recordman du nombre de victoires avec 3 succès, Cyril Esquirol fait office de grand favori. Toujours très affûté et armé d'une Honda spécialement préparée pour l'occasion, Esquirol aborde cette Gilles Lallet Classic 99 avec une impressionnante sérénité. L'objectif, c'est d'arriver le plus tôt possible et en tête au Corbeau Mort. Bon, c'est vrai que nous, on est là pour la victoire. De toute manière, bon, s'il y a un pilote qui sera meilleur que moi, cette course-là, il n'y a pas de secret, quoi. C'est vraiment le meilleur qui va gagner. Donc, ma foi, s'il y a une pilote qui sera meilleure que moi sur cette épreuve, ben, tant mieux. Je veux dire, pour lui, ce sera vraiment une belle victoire pour lui. Mais si je gagne, ce sera aussi une belle victoire pour moi. Pour contrer Cyril Esquirol, Yamaha a dépêché une véritable armada en Limousin avec Gilles Alguet et Serge Nuc, deuxième et troisième l'an dernier, mais aussi David Frétinier et David Castera. Après son triplé au Touquet, Yamaha mise sur la GLC. Récupérer avant de l'oublier. Double vainqueur de l'épreuve, Laurent Charbonnel va tenter un pari osé cette année. Le pilote Kawasaki veut emmener une 125 en haut du Corbeau Mort. Parmi les autres outsiders possibles de Cyril Esquirol, n'oublions pas Éric Bernard, qui a prévu d'attaquer très fort le matin dans la boucle de sélection. Chez les étrangers, un journaliste slovène, Peter Kafschil, il a délaissé son stylo pour tenter l'aventure. C'est une course fantastique, incroyable. Je suis venu deux fois en tant que journaliste et j'ai décidé que la troisième fois, je participerai à la course. Je vais faire de mon mieux pour faire partie des 100 qualifiés pour l'après-midi. Ensuite, chaque centaine de mètres que j'aurai parcouru fera de moi un héros à mes yeux, car n'importe quel pilote qui termine la GLC est un héros. Samedi 27 février 1999, 6h30, au pied de la cathédrale de Limoges, les premiers pilotes s'élancent à l'assaut du parcours de sélection. Un tracé long de 180 km qui doit mener les concurrents de la préfecture du Limousin jusqu'à Peyrat-le-Château, où seuls les 100 plus rapides pourront prendre le départ pour la seconde boucle. Le parcours de la matinée est un enduro classique où spécial en ligne et spécial banderolé se succèdent, un tracé qui devrait conduire les motards de la GLC aux frontières de l'enfer. Comme il l'avait annoncé, Éric Bernard entame ce parcours de sélection, le couteau entre les dents. Le vice-champion du monde d'enduro va attaquer sans laisser une seconde de répit à ses adversaires. Il signe 3 scratchs sur 4 et prouve ainsi ses ambitions sur cette 8e édition de la GLC. Vainqueur du parcours de sélection, le pilote KTM a d'ores et déjà atteint son premier objectif. Derrière Éric Bernard, c'est un Cyril Esquirol quelque peu emprunté qui prend la seconde place. Le pilote Honda a certes remporté la dernière spéciale de la matinée, mais le triple vainqueur de la GLC a montré moins de facilité dans son pilotage. À l'arrivée à Peyrat, Cyril a concédé un peu moins de 15 secondes à Éric Bernard. L'après-midi s'annonce chaude. En troisième position, Laurent Charbonnel prouve que sa 125 cm3 peut faire jeu égal avec les autres machines du plateau. Laurent termine troisième à 30 secondes du meilleur temps, mais il s'élancera dans le groupe de tête. Son pari est pour le moment sur la bonne voie. Gilles Alguet et Sayama complètent le quatuor de tête. Arrivé à Peyrat avec un peu plus de 30 secondes de retard sur Bernard, Gilles en a volontairement gardé dans la poignée, car le plus dur est encore à venir. KTM
Honda, Kawasaki et Yamaha. Les quatre grands constructeurs de la GLC sont aux avant-postes et au terme du parcours de sélection, tous les gros clients sont prêts pour la seconde boucle. Christian Boulet, David Castera, Serge Nuque et David Prétigné complètent le classement des 8 premiers. 8 pilotes qui n'ont que quelques heures pour se préparer pour le parcours final, celui qui les conduira jusqu'au Corbeau Mort. Du côté des étrangers, le plus rapide est le Tchèque Martin Kremel, qui est de surcroît le premier pilote au guidon d'un 4 temps. Kremel place à Husqvarna en 9e position à l'arrivée à Pera, mais il a tout de même concédé plus d'une minute 20 sur Eric Bernard. Heureusement, pour tous, les compteurs vont être remis à zéro avant le départ de la boucle finale. Quelques minutes avant 15h, les derniers instants de relaxation pour les 100 pilotes qualifiés pour la boucle finale de la GLC 99. Sous les yeux de centaines de spectateurs, les 10 premiers vont s'élancer un par un toutes les 5 secondes, puis deux par deux pour les 90 suivants. Inter, les premiers hectomètres de cette boucle finale ne sont qu'une simple formalité. Les stars de la matinée sont dans l'ordre du départ. Bernard, Esquirol, Charbonnel, Alguet, Boulet et consorts se jouent des premières ornières. Mais derrière les meilleurs, c'est déjà très vite le début de l'enfer et pourtant, le préamen n'est encore qu'un hors-d'œuvre. Charapou. Cyril Esquirol a pris la tête et semble voler sans la moindre seconde d'hésitation. Gilles Alguet, alors en deuxième position, va lui devoir faire appel à l'aide des spectateurs. Les suivants tentent d'éviter la boue, à l'image de Christian Boulet. Mais au fil des passages, les ornières se creusent, les possibilités d'évitement se réduisent, le bain de boue sera collectif. Le premier ravitaillement à Émoutiers, dans le tunnel sous la voie de chemin de fer, Gilles Alguet a pris la tête. Cyril Esquirol et Serge Nuque sont dans sa roue. Les trois hommes forts de l'édition 98 sont aux trois premières places. Plus tard,
Français sort du tunnel, suivi par David Castera, Marc-Olivier Joriot et Laurent Charbonnel, 7e. Quelques mètres plus haut dans la zone de ravitaillement, Éric Bernard se change. Pour le pilote KTM, vainqueur le matin, la course est déjà finie. Embrayage hors d'usage après une chute. Le premier secteur, il est vrai, était difficile. La preuve. Se continue à baigner, les enduristes se transforment en trialistes. Deuxième des cinq ravitaillements, la Gilles Lallet Classique retrouve l'un de ses hauts lieux, le bois de Crosa. Cyril Esquirol caracole toujours en tête. Il précède Gilles Alguet, Serge Nuc, Christian Boulet, David Castera et Laurent Charbonnel. Oh,
Retour au Bourbier avec celui de Favareillas. Changement dans le groupe de tête. Derrière Esquirol, Alguet et Nuc, David Castera a repris la quatrième place devant Christian Boulet. Charbonnel, toujours en sixième position, les choses semblent se compliquer avec la 125, alors que derrière lui, Marc-Olivier Joriot est septième. L'apathie se fait de plus en plus sentir. On attaque la carrière du pic. Après 3h30 de course, la nuit tombe sur la GLC. Quatrième et avant-dernier ravitaillement, l'équipe d'assistance de Cyril Esquirol est sous pression, on change sa roue arrière. Et derrière Esquirol, David Castera s'est emparé de la deuxième place. Serge Nuc est troisième, au guidon d'une Yamaha qui commence à connaître des soucis de refroidissement. Le pot aussi est endommagé et Franck, son mécanicien, doit le remplacer. Après le ravitaillement, Cyril Esquirol attaque la cascade d'Augerolles, toujours suivi à 10 minutes par David Castera. Abandonné, moteur cassé, Gilles Alguet a pris la troisième place devant un Laurent Charbonnel qui jette ses dernières forces dans la bagarre. À un peu plus d'une heure de l'arrivée, Christian Boulet s'accroche à sa cinquième place. C'est le début de la dernière ligne droite, le sprint final jusqu'au Corbeau Mort. À 21h40,
Cyril Esquirol surgit de la forêt. Le pilote Honda a encore creusé l'écart dans le dernier secteur et le corbeau mort ne sera pour lui qu'une formalité. Esquirol file vers une quatrième victoire sur la Gilles Lallet Classique, sa deuxième consécutive. J'aime pas attaquer vraiment très fort, entrer à froid, sans avoir jugé mes adversaires vraiment. Donc là, je suis parti, même je me suis coincé un petit peu, je suis parti cinquième. Ça m'a permis de voir un petit peu de derrière la situation de la course. Et après, au ravitaillement 2, je suis parti devant et j'ai pris mon rythme. Bon, c'est un peu. Après l'arrivée d'Esquirol, le déluge s'abat sur le corbeau mort. Il faut attendre 11 minutes pour son premier adversaire, David Castera, deuxième, qui s'incline avec les honneurs. 20 minutes plus tard, Laurent Charbonnel en termine, troisième avec sa 125. Il a réussi son pari. Pour 99, ils seront en fait 10 à rejoindre l'arrivée, le dernier étant David Frétinier qui franchit la ligne 11 secondes seulement avant la mise hors course.